Et salut YouTube, on se retrouve pour la suite des aventures d'Abdelix, magnifique, en Enderal, hop. Et notre but va être de faire ce fameux château où on était censé se faire péter la gueule. On va faire plusieurs sessions sur un même live pour justement, comme j'en parlais avant de lancer la VOD, mettre 22 points, donc comme on l'avait dit, en psionisme et en entropie. Et les points d'habilité, on va tout bourrer dans l'artisanat pour avoir du meilleur stuff. Du coup, c'est parti. Non, je me trompe de touche déjà, ça commence bien. Ah non, non, non. Attendez. Appel d'apparition. Ah oui, merde, faut que j'invoque d'abord l'apparition, c'est vrai. Invocation d'apparition, voilà. Vas-y, va te battre. Va te battre et moi... J'invoque... l'épée mystique. Ou alors attendez, je crois... Ouais non, parce que du coup oui, c'est vrai. Maintenant que j'y pense, je ne peux pas faire autrement. Dans le sens où... J'ai pas encore augmenté mes points de psionisme. Vous sentez nauséeux, une présence vague, puissante, quelque chose. Tant cela empêche de prendre une forme physique. Comment ça? Et quelle est cette sorcellerie encore? Ça on prend pas. Hein. Du coup oui, je pensais utiliser le sort de psionisme qui augmente ses dégâts en fonction du psionisme. Mais comme on n'a pas encore monté les points, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. On va peut-être mettre un petit bouclier quand même dans notre main. Au pire, on essaiera d'appeler gueule debout si vraiment il y a besoin. Château Guerredé, ouais. Qu'est-ce qu'on a Un grand château, donc j'imagine que doit y avoir plusieurs entrées. Doit y avoir plusieurs entrées. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça c'est bien. Une griffe de givre. Ça, hein. Me permet d'augmenter mon... Voilà. La capacité d'emport de 1. Plus je mange des champignons, plus je suis fort. Je vais faire ça avant d'aller à la salle maintenant. Je vais m'enculer une boîte de champignons de Paris là. Et allez hop. Oula. Il est là hein, mon... Ouais. Oh là là, ça fait plaisir, hein. Hein, y'a quoi, là? Y'a des pièges? Ok. Déjà, ça fait plaisir, là. Depuis qu'on a l'invoque, en vrai de vrai, on s'en sort bien mieux. Hein. Est-ce que je n'essaierai pas, à la place du bouclier, d'avoir... gueule debout? On a là. Nécessite une clé, merde. Comme ça, on y va à 3. Ils prennent l'aggro et moi je pète des gueules, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Chercher livre. Ah, on l'a déjà celui-là. Ah, celui-là, on l'a pas. Personne là? Les tableaux, par contre, sont beaux. Je trouve qu'ils ont choisi des tableaux assez stylés à les devs. Ah! Vas-y Francis! J'ai déjà oublié comment je t'avais appelé. Je sais qu'on a gueule debout. Et lui je crois que je l'avais appelé Francis. Avec notre cher ami Micheline, élémentaire de feu. Ouais, bon, on prend, hein. De toute façon, ça se vend au pire. Au pire, ça se vend, hein. Nécessite une clé, mais ils m'emmerdent. On prie pour passe-partout ou quoi? Ah, il faut sortir! Merde. Et du coup, attends, elle est où la suite là? Ouais.
faut passer par là. Château du Gué Doré. Ah bah oui, génial. On va aller dans les prisons. Oh, ça sent l'ambiance... L'ambiance BDSM, là. Gueule debout. Tu m'énerves. Vraiment, tu m'énerves. Tu fais aucun effort. Ah si, attendez. Il ne fuit plus face aux archers. Attendez, est-ce que Gueule debout aurait chopé une paire de couilles? Oh mais c'est trop bien. Putain. Gueule debout s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai la santé hein. Je vais essayer d'avoir 200 en santé. Et après on verra pour le reste hein. C'est un piège ça. Marchez pas là-dessus. C'était sûr. Tu es débile Francis. Ah putain, ma fièvre arcanique a augmenté de 6%. Attendez, si Gueule debout n'a plus peur des archers, on peut peut-être essayer d'y aller qu'avec Gueule debout et notre épée. Il n'a plus peur des archers. Parce que là, ouais, niveau... Hey, coucou. Hey, coucou. Ça, ça s'ouvre, ça, non? Ça, c'est une porte cachée, ça. C'est comme la maison de Pouf Souffle dans Hogwarts Legacy. Il y a un truc à faire ici et ça va ouvrir, non? Rance, ouais. J'aurais peut-être dû faire... de l'ambroisie. Là, on commence à avoir un taux assez... assez non négligeable de fièvre arcanique. Oula. Tiens, gueule debout. Voilà, mais y des grandes mandales. Oh putain, tu es remonté dans mon estime, gueule debout. Est-ce que ce sera avec les trucs que j'ai cochés là en voulant réparer le jeu? Est-ce que j'aurais réparé le jeu? Et du coup, est-ce qu'on aurait réparé gueule debout? Oh là là. We have a fix Mudface. Ok, plus profond. Ah voilà. Hop. Allez hop, meurs. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir une clé, quelque chose? Pour l'étage? Parce que c'est bien beau votre connerie là, mais Ah, gueule debout! Attaque! Vas-y copain! Oh là, c'est trop bien! Ah ça y est, je commence à t'aimer, gueule debout. Je commence à apprécier ta présence. Vas-y, ouais, bouge en argent. T'en fous, on prend tout, nous. Par contre, tu es légèrement encombrant, cher ami. Magie partie 3. On va le lire hein, dans le doute. Ok, on peut pas dormir. On peut pas dormir. Ah, ah vas-y, ça se vend. Et là, fait chier. Hein. Par ici. Gueule debout. Pourquoi il prend pas l'aggro? Allez! Il y va, il y va! Putain! Gueule debout qui est devenu jaloux de Francis! Oh oui, d'accord. Et qui se dit non, mais moi aussi je peux! Ah ouais, il cogne, hein! Il cogne notre cher ami Gueule debout, hein!
OMG, est-ce que ce serait l'épisode de la réconciliation? Et je prends tout, je m'en fous. Je m'en fous, je prends tout. Au pire, on paiera une pinte à gueule de boue. La boue a fini par se solidifier, la brique ne craint pas les flèches. C'est ça, ouais. Il fallait lui laisser le temps de sécher, pauvre pépère. Alors attends. Ah, mais c'est bien beau, hein. Moi ça me dérange pas de fouiller, etc. Mais oh, oui, des pièces détachées. Charbon. Prends, hein. Ok, là il y a une chaîne. Ah, ça y est, la clé. Furtivité, archerie, ouais, ça on pourra les vendre à la limite. C'est, on joue pas vraiment furtivité et archerie sur cette partie là. Je dis pas sur un Skyrim, un petit assassin là, j'aurais pas dit non. Mais dans ce jeu là, j'ai pas l'impression que la furtivité soit la meilleure solution. Ah oui, c'est vrai, par contre j'avais oublié ça. Gueule de boue n'est pas vraiment. Ah bah voilà! Je vous connais, vous! Je vous connais! On va déjà visiter les caves. Hein. Chez bibliothèque. Non, pas besoin. On les a déjà. Oh, ça se passe enfin bien pour nous, en tout cas. Et ça, ça fait plaisir. Ouais. Gueule de boue! J'ai dit gueule de boue! Alors, fais gaffe derrière toi, mec! Y'a un gros machin qui va te mettre une mandale! Voilà, bien joué, mon pépère! Ah oui, non, mais il y va, ça y est, c'est. Ça y est, là! Il veut du sang! Gueule de boue veut du sang, ça y est. Il a pris goût à la violence. Je crois que je l'ai déjà lu celui-là, mais je suis pas sûr. Valeur 5. En vrai, ça pèse rien. C'est quand même des thunes, l'argenterie. Hein. Comme des thunes, l'argenterie. Hein. Étagère. Non, ça, on l'a déjà lu. Non plus. Il y a un lit où dormir. Attendez, on va dormir. Vous ne pouvez pas dormir tant qu'il y a des ennemis à proximité. Vas-y, on vole l'argenterie. On vole l'argenterie. Il n'y a pas d'ennemis à proximité, ces gueules de boue. Ou alors... Gueule de boue aurait pris un peu trop goût à la violence. Il voudrait se venger de toutes ces fois où... où on l'a insulté. Où on l'a dit que... On lui a dit qu'il était mauvais. L'important c'est que tu te rachètes, gueule de boue, hein. C'est le plus important, hein. Attendez, un anneau. On prend. Ouais, vas-y, on va prendre. Bibliothèque. Non. Non. On prend. Ah, qu'est-ce que c'est ça? On va prendre, hein. La palue. La plume, ça vaut rien. Le parchemin vierge non plus. Un tas de parchemins. Capture bas. Capture d'âme. Un rayonnement. Mais y'a rien dans cette bibliothèque là, pourquoi ils parlaient d'ennemis aux alentours? Ils ont fumé là! Ou alors vraiment je dois... Ah d'accord! Alors vraiment je ne dois pas tourner le dos à gueule de boue quoi. Allez gueule de boue! Fais ton job! Ah par contre je refuse, la boue c'est pas conducteur hein. Oui! Alors c'est passé à... Calme-toi. C'est passé à peu de choses. Mais we win.
Va peut-être falloir se soigner quand même. Hein. Bon, vas-y, on va dormir à côté du cadavre là. Faites-nous un peu de place, monsieur. Faites-nous un petit peu de place. Ah, par contre, 2h du matin, c'est pas terrible. Hein. Alors, on va se lever à 6h à la fraîche. Voilà. Livre d'entropie. Nice. Nous fait un livre en moins à acheter. On pique l'argenterie, hein, encore une fois. L'argenterie, c'est de l'argent qui dort. Hein. Ouais, vas-y, on prend. Prends celui-là. Là. Ouais. Chez les bijoux. Les attaques à une main. Alors ça par contre, je m'étais renseigné. Ah, je porte trop de choses. On peut le... Non. Les calculs sont pas bons là. non, il y a un truc qui va pas là. Putain, j'ai trop d'argenterie dans les poches. Chronique. L'argent. Je suis lourd, mais j'arrête de l'argent. Allez. Oh ouais, non, l'argenterie. L'argenterie. Outil d'enchantement. L'escrimeur. Alors ça peut être bien, mais est-ce qu'on va avoir de quoi... Parce que là on a 7%, et du coup admettons que je mette un anneau avec renfort d'armes à une main, 11% maximum, 1% seulement. Ah, c'est pas ouf hein. C'est pas ouf. Parce que du coup ça je sais que les enchantements d'armes à une main fonctionnent pour l'épée... L'épée invoquée, je m'étais renseigné, et certes les points de perk ne sont pas pris en compte, mais les apprentissages si. Les enchantements si. Entre autres. Hein ? Ah merde. Bon bah tant pis, on le vendra. Comment on fait là ? Est-ce que j'ai pas normalement une magie d'invocation de coffre? Il me semble que j'avais une invocation de coffre. Là, ici. Glace. Chaos. Hache d'armes. Menteur. Hein. Merde alors. Mange-rêve. Mange-rêve, ça, il faut qu'on le garde. Panique, psychose. Coffre spectral. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre des trucs lourds? Non? Ouais, ça je garde. Enfin, ça je mets. Pourquoi il... Ah, c'est peut-être parce que j'ai plus la place de... D'accord. Bon, déjà, on a réglé notre problème. Elle, du coup, c'était qui, là? Maintenant, elle est cul nue, mais... C'était qui? C'était la reine du coin? Bon, en tout cas, le problème est réglé, quoi. Bah, du coup, retour à Arc, hein, je pense. À moins que... On va peut-être continuer à fouiller... Y a peut-être des trucs qu'on n'a pas vus. Bah déjà, on peut voler encore de l'argenterie. On a la place. À moi, l'argenterie. Hop. Est-ce que nécessite une clé? Ouais, ce serait l'autre côté de... De là où il y avait l'étage? Ouais, bah c'est ça.
C'est ça. Donc celle-là c'est fait. Et celle-là du coup ce serait pour aller ailleurs. Ouais c'est les deux zones. Ok. Donc on a fini le château. Bah c'était simple. C'était simple. Moi qui attendais à ce que je me fasse éclater la gueule. Puisque certains avaient l'air de dire dans le chat. Oh, attendez, hein, l'argenterie. Hein. Argenterie. Hein. Je comprends. Hein. L'argenterie de grand-mère, ça se vend. Hein. Ça se vend, hein. Nous. On n'est pas regardant sur la provenance de notre fortune. Même l'urne de grand-mère. Hein. quelque chose où peut-être son absence semble l'empêcher de prendre une forme. Ah c'est ça là. C'est ce truc là. Imagine. On verra bien. Déjà, retour à Arc. Ok, à où? Non, là, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit aller faire ça après. Donc il faut mieux que je mette un sort de retour. Ou plutôt de marque. Sort de marque. Oui. Ah bah non, c'était mon sort de marque. D'accord, je suis un connard. C'est pas grave. Je suis con. Allez hop. On va aller vendre l'argenterie de mamie. Ok. Alors. Pas de boutiquier. Can I help you? Y a pas de boutiquier. C'est l'heure. Il est 7h. Ah mais y a personne qui travaille dans ce patelin. Oula, y a un problème de colorimétrie là, non? Excusez-moi madame. Vous êtes toute verte. Et votre visage est rose. Ça fait peur. Pourquoi on dirait qu'elle a un masque? Mais même lui, il est tout jaune et Malfrance's blessings. D'accord. Le perso fait paria. Ok. Par contre, je suis désolé, mais avec l'expression qu'elle a sur le visage quand elle danse, t'as l'impression qu'elle veut vraiment pas être là, quoi. Elle avait pas envie d'être là à la base, elle. Là, elle danse, mais intérieurement, elle souffre. Elle pleure. Et je sais pas, c'est... Ah, vraiment, cette tête de... Ah non, mais les jambes dégoûtent. Je danse pour vous... Je danse à votre visage pour vous exprimer mon dégoût. bon, attends, les boutiques, là. Non ? Ah, fait chier. Attendez, du coup, on va regarder. Démanteler. Parce que ça, j'avais vu en regardant des petites astuces. Démantèlement, valeur 6, 38, 38, 38, lingot d'acier. Et je crois que si tu regardes le prix de l'épée en elle-même, épée d'acier, ouais, vous voyez, 19 par exemple, la dague d'acier. L'épée d'acier, 36. Alors que le lingot en lui-même vaut 38. Donc c'est, voilà, c'est une petite optimisation. Mais ça peut faire le taf, quoi. Bouclier d'acier. Ah, je peux regarder le prix des boucliers. Lingot d'acier. Chaussures d'acier, il faudra regarder. Lingot de fer. Malachi. Arc runique. Brissor. Bah non, je vais pas le... Arc long, arc de chasse. On va regarder, hein, encore une fois. Soyons intelligents. Hein. Ouais, non, là, pour le coup, ce serait stupide.
Marqueur unique, oui, ça, c'est stupide de le séparer vu que c'est le mien. Hache de fer, donc, je peux m'en séparer. La clé mort de fer. Ah non, j'ai l'impression que pour le fer, c'est pas rentable. Pour l'acier, ça l'est, mais pour le fer, c'est pas rentable. Bouclier d'acier, 33. Ah, et le machin est à... Oui, c'est à 38. Là, on a 32, 33. Donc oui, si, c'est rentable. C'est rentable de démanteler les trucs en acier, quoi. Lingot d'acier. Bouclier d'acier, ça, on peut. Et donc, les chaussures en acier, on a vu que, là aussi, on est gagnant. Et en plus, ça pèse moins lourd. Franchement, on est totalement gagnant là. Attends, pour la fièvre. Est-ce que la fièvre... Je peux la faire descendre à une église? Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a que les maladies. Et que les maladies que je peux... Alors attendez. Phase humain, principal, temple du soleil. Au temple du soleil, normalement. J'ai bien trouvé un curton qui va... va me soigner de mes maladies là. Did you find it? Yes, here. Sanctum. Voilà, dans le sanctum là. Il n'y en a pas un qui peut soigner ma chaude pisse? Dans le sanctum? Tiens, toi, tu es qui là? Aspirante, non. My sir. My sir. Arcaniste, novice, aspirante. Il est où le curé? Gardien, aspirant. Curarium. Ah, curarium. Il y a cure dedans. Donc peut-être que... on va trouver le curton qui soigne. Non? Ah, déjà on peut voler des potions de soins. C'est toujours bon à prendre. D'accord, ça s'appelle curarium, mais il n'y a pas de médecin. Ça m'emmerde, ça. Et où le curé? Alors? M'étonne. Attends, je suis sûr de me souvenir d'un moment où on avait vu un prêtre... Aspirante. Ouais, non, on peut pas lui parler. Walk blessed. Pianiste, non. Novice non plus. Gardien non plus. L'aspirant là non plus. Là, c'est gardien. Encore les corvées de balayage. Aspirante. Hey, never mind. Qu'est-il? You're an outlander, aren't you? Aspirante. From Kira. Your skin, it looks, j'ai grandi, hein. Quatre mères, un vieux marin m'a dit ça une fois. Communauté, pas dans une vie normale, c'est vrai. Communes, not in regular families, right? Oh, I see. Ouais. Too bad. You know, once this chaos in the world is over, I want to go travel myself. D'accord. Maybe a captain will hire me as a deckhand. Vraiment, vous allez pas me donner de curé là? Bon bah tant pis, hein, on va devoir acheter de l'ambroisie. Ou en tout cas en faire soi-même. Enfin, est-ce qu'on a ce qu'il faut pour faire de l'ambroisie? Merde alors. Attendez, abandonner l'alchimie. Normalement je l'avais l'ambroisie là. La recette de l'ambroisie, je l'ai normalement. Lettre. Je l'avais gardé sur moi normalement, ça. Pourquoi je l'ai plus? Bah, c'est pas grave, on va. On va voir. Attendez, est-ce que au pire Google est ton ami? Je sais que je l'avais sur moi le papier pour. Recette ambroisie.
ingrédients. Ah, mais c'est en anglais. Dommage. Dommage, dommage. J'ai demandé la recette aux prêtresses. Bah non, mais normalement, je l'avais trouvé le papier plusieurs fois même. Donc ça m'étonne que... Ah, attends, à moins qu'il serait dans... dans mon coffre... sur la place du village. Non. On va aller voir. On va aller voir. Bah, celui-là, de toute façon. Ouais, bon, au pire, ça se vend. Dans le doute, volons. Dans le doute, soyons des merdes et volons ces pauvres gants qui traînaient dans un coffre. Hop, donc direction le baraquement. Baraquement qui est à côté de la place. À côté de la place. J'ai besoin de me soigner, je ne pense pas. On a dormi il n'y a pas longtemps. Oh, dans le doute, une sieste d'une heure, de rien. Des bottes! Et non, je peux pas. Non, c'est du vol. Hop. Normalement, la recette de l'ambroisie, je l'ai. Et il me semble pas que ce soit quartier étranger. Ah! Donc non, c'était pas par là. Est-ce que je vais avoir un panneau pas loin au pire? Parce que c'est un putain de labyrinthe, hein, cette ville, hein. Les quartiers étrangers. Ah, c'est bon, je m'y retrouve. Là, à gauche. You're a foreigner, aren't you? I wish I'd have crossed. Pas par là. Par ici. Et normalement, si je dis pas de bêtises, en allant par là. Voilà, il y a le panneau. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai spammé E. Ah non, 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 non. Hein. Moi, je veux pas aller chez les pauvres. Hein. Eh oh! Pas chez les pauvres, nous, hein. Hear my words, oh je ne veux... Abdelix ne traîne pas avec ses va-nu-pieds, hein. Coffre sécurisé. Carte au trésor. Parchemin. Recette. Recette de l'ambroisie. Apparemment, il y a plusieurs recettes pour la faire, l'ambroisie. Et elle, elle a un truc d'alchimie ici. Donc attends, laissez-moi regarder maintenant qu'on a la recette sur nous. Ah, dégâts de poison, pénalité de vigueur, restauration de mana. Bah, je peux pas le faire. Bien, bonjour. Ah oui, attends, j'ai un truc. J'ai un truc. Hypnose, améliore les prix d'achat et de revente. Merde, je suis détecté. Je suis plus détecté. Je suis détecté. Je ne suis plus détecté. Allez. Merde, je suis détecté. Comment je peux me cacher là? Allez. Où est-ce que je dois me mettre pour me cacher? Ah mais du coup j'ai plus de vision sur elle là. Putain, parce que normalement si je l'hypnotise, j'ai un bonus de prix d'achat et de revente. Faudrait que j'arrive à... bien me cacher quoi. Là, tout à l'heure, on était caché, hein. C'est qui nous voit, là? Ah, vas-y, Nick. Comment vont les affaires? Oh, putain, c'est vrai, à chaque fois, je me fais avoir. C'est pas comment vont les affaires. Mais je m'en fous! Well, that's one of the ups. Voilà, montre-moi ce que t'as en stock. Ambroisie. Oh! Ça fait cher.
Et si j'en achète deux, je suis soigné de ma fièvre arcanique. Vu que c'est... On est à 10%. Ah, j'ai pas assez d'or. Ok. Je peux me cacher là de lui. Bah non. Yeah. What do you want? No, I just put. Bon bah tant pis, on va faire 100. Tell me what you Abdelix. Tiens, vas-y. Achète l'argenterie de mamie. Boîte à outils. Ouais, vas-y, ça vaut 11. Charbon, peut-être pas. Ouais, ça on vend, ça on vend. On vend, ça on vend, ça on vend. Oui. Les lingots, non, parce que je sais à qui je vais les vendre. Et je sais déjà comment faire pour... pour être gagnant. Hammers, daggers, swords, the best from the Calais archipelago to this beautiful country. Let me know when something catches your interest. Putain! Oh, attends, vas-y, il m'a vu. Mette là. Ça y est! Qu'est-ce que vous avez en stock? Voilà. Et là, normalement... Bon, c'est pas énorme, hein. Bon, tant pis. Les livres d'apprentissage. Bon, je peux. Alors, au moment de la compétence d'armure lourde de 5 points, 17% d'éclat augmente... Putain, c'est pas mal! Ah, mais je passe à 20 au lieu de 25. Ça m'emmerde. Bah tant pis. Ah ouais. Ça je garde. On vend. Ensuite les armes. En fer, ouais. On peut les vendre. De la place. Ok. Qu'est-ce que t'as en stock, toi? Est-ce que t'as des plans? Ah, mais il faut de l'artisanat. Et je n'ai pas d'artisanat. Livre d'apprentissage. Artisanat. Artisanat. Apprenti. Jusqu'au niveau 25. Il y en a 10. Ah bah, il y a de niveau 25, donc je suis baisé. Everything for the path abiding soldier. Du coup, c'est pas expert, c'est spécialiste. Il y en a 14. Je peux acheter les 14. Ça, ça se prend. J'espère ne pas me tromper. Attendez, 14, c'est simple. Normalement, c'est celui-là qui va descendre. Et pas l'apprentissage. J'espère. Oui, c'est bon. Donc allons-y, bourrons les livres. Voilà, comme ça en artisanat, on augmente. Et ça va nous permettre d'avoir de créer des meilleures armures. Avoir du meilleur stuff. Ça nous monte à combien par contre? J'ai pas fait attention. Artisanat 39. Qu'est-ce que vous avez en stock? Montre-moi un peu les plans que tu vends là. Là ici. Plan. Épée runique. Artisanat 33. Ouais. Épée d'argent, artisanat 35. Épée d'acier argenté. Artisanat 38. Ça peut être pas mal. Vas-y, on en achète un. Et comme ça, on va voir comment ça marche. Alors, non, je veux pas la meule. Je veux voir sur la forge.
utiliser l'enclume. Alors, acier argenté, dégâts 23. Il me faut un lingot d'acier, un lingot de malachite ou malachite et deux lingots de pierre de lune. Everything for the path. Que du coup, c'est quand même bien quand t'as plus de magie d'avoir une épée sur toi, quoi. On a dit lingot d'acier 1. Minerai de malachite. Il va me le falloir. Par contre, il aura pas les lingots de lune machin, là. Ah, fait chier. Attends, c'est ici. Enclume. Lingot de malachite, je vais en avoir un. Et deux lingots de pierre de lune, ouais, c'est ça, j'ai pas. Hein. Ça, j'ai pas et je n'aurai pas, je crois. Hein. C'est dommage. Est-ce qu'on peut vendre d'autres choses à lui, là, qu'on n'aurait pas pu vendre ailleurs ? Non, I just put them out for you to look at. Il a toute l'argenterie de mamie. Ok, le bâton. Il reprend vraiment pas cher, ce fils de pute. Chapeau raffiné, les vêtements. Toujours ça de prix. Les potions. Potions de mana, ouais. J'ai dit, ouais, ça dégage. Parchemin, cap dur d'âme, ça dégage. Boule de feu, ça dégage. Les clés, par contre, je les garde. Zéron de niveau 12, on s'en fout. Rayonnement, on a le sort. Respiration aquatique, on garde. Les parchemins de téléportation, on garde aussi. Ragoon, on garde. Tout ça, on garde. Ça, on va les vendre. Même si c'est pas grand chose. Si on les a déjà lus, je ne vois pas l'intérêt de. Ouais, les recettes. Je préfère les garder, les recettes. D'ailleurs, les recettes. Pour mon histoire d'Ambroisie, là. Voile Spectro, Solanacée, je crois pas que j'en ai. Racine de Baldris, Racine de Vine. On va pas en avoir, hein. Non. Est-ce que je peux lui en acheter à elle, là ? Comment vont les affaires ? Ah, mais on s'en fout ! Chaque fois, je me fais avoir. Montrez-moi ce que vous avez en stock. Sure. Take a look. Alors, on a dit... Et bah, elle n'a rien. Chimie, crochetage, rhétorique. Non, pour l'instant, on n'y touche plus. Ouais, faut aller dans l'outre... L'outre-ville pour dépenser nos dernières thunes. Il nous reste 305. Pour avoir des livres de... Il me semble que c'est dans les baraquements qu'il est. Le vieux magicien. Hey, you're an adventurer, aren't you? Have you been to... On voit que dalle. Il me semble qu'il y a un magicien pas loin. Non, c'est pas par là. Dans une espèce de ruelle comme ça. Non. Non plus, à moins qu'il soit dans le coin là. Non. Je pense pas que ce soit par là. Place du marché. À part, hein. Ah ouais, non, c'est pas du tout par là, hein, je crois. Ah non, c'est pas du tout bon, là c'est l'arène. Ah ouais, c'est la fosse. Dégage. Bah. Oh, c'est classe. Mais il est où, mon magicien? Il est où, ce putain de magicien? Hello. Ouais, hello. Fermé. Merde, je pensais que c'était une pancarte. Il est où, mon magicien?
ça y est, je suis perdu. Je me suis perdu dans des ruelles entourées de va-nu-pieds là. Hein? Non, non, m'approchez pas. Vous allez tous me refiler la syphilis, c'est sûr. Et Abdelix a trop de... jeunes dames fertiles à conquérir un... pour attraper ce genre de saloperie. Ouais. Ah, il était là depuis le début, il suffisait que je me retourne. What is it? Fair enough. Maybe there's a trick or two I could show you. C'est pas des livres de sorts, c'est des livres d'apprentissage. Donc nous, il nous faut... on a dit... 49. Ouais, bon, on va rester sur les 22 qu'on avait dit. 22 en entropie. Parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est l'entropie... ouais, c'est ça, qui nous permet d'augmenter les dégâts d'épée. Donc nous, c'est l'entropie qu'il nous faut. Entropie... et donc... je crois que c'est celui-là qu'il faut, hein. Ah putain, je peux en acheter que deux. J'aurais pu en acheter bien plus, mais... j'avais d'autres choses à faire. Ah, on va monter que niveau 29, je crois. Enfin, 28. Ah, c'est pas grave. Petite marque de retour. Enfin, petit sort de retour. On sauvegarde. Comme ça, on retourne là-bas, on fait le... la quête. Fait la quête dans le... oh shit. Merde, dans la grotte. Ah, j'imagine que c'est une grotte. Comme ça, après, on pourra retourner à Riveville pour continuer à choper masse de quêtes. Ok. Alors, attends. Soyons pas cons. Ah, bah attends, est-ce qu'on peut s'amuser un peu avec Mange-Rêve? Excusez-moi. Mange-Rêve. Je sais que c'est par rapport à mes dégâts de psionisme, qu'on n'a pas encore monté le psionisme. Ah, ah ou, ah ou. Oh, c'est nul comme sort. Ah non, 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 ça va, ça... ah oui, non, ça fait du dégât. Ça fait du dégât, le problème c'est la régène de mana. Et là on se retrouve dans la situation où j'en parlais tout à l'heure, ben, je n'ai pas de... voilà, je vous fous le feu. Je n'ai pas de... d'armes. Si je n'ai pas l'épée. Ce qui fait un peu chier le monde. Épée mystique. Tac, objet. Potion de mana... voilà, on va faire ça. Voilà. Ah, vous voyez, c'est... si on a plus de... c'est le problème, quoi. Hein. Si tu n'as plus d'armes, t'es un peu dans la merde dès que t'as plus de magie, quoi. Faudrait vraiment que je pense à me faire cette épée. Il me faudra la pierre de lune. Il n'y a pas de pierre de lune. La malachite, on a ce qu'il faut. À moins que la pierre de lune, quand je retournerai à Riveville, je ne puisse... oh, vous le sentez venir. Oh, je vais tellement crever. Non. Ah non, c'est bon. Ok, c'est par là-bas. Attends, c'est bien ça, hein. Ah, il est juste là en bas. Il va falloir remonter. Par là. En garde. Ah non, d'accord. C'est une grotte.
Oh, il y a des bateaux! Trop bien. Est-ce que du coup maintenant je ne rappellerai pas du coup l'invocation? Voilà. Allez, comme ça on va combattre à deux. Waouh! C'est pas passé loin? On a encore eu de la chance? Allez, on garde! Ouais, ouais, y'a quelqu'un, ouais. Y'est où mon pote là? Il est vénère lui! Ah bah voilà, il est mort. Déjà le chef il est mort. C'est une bonne chose. Hop, tout ça, ça va se vendre. On checkera quand même s'il n'y a pas des, des petits trucs à récupérer, ce qui m'étonnerait. Parce que bon, Riville, ça reste première zone du jeu, donc j'imagine. Et vu comment on a rushé l'histoire principale, on va pas avoir grand chose d'intéressant. Ça là, notre objectif c'est vraiment fouiller. XP. Ah, ils en ont des coffres. Ah bon, par contre c'est des coffres mais ils mettent rien dedans quoi. Ah, un Godfair, ils font chier. Ah, je crois qu'il y en a un qui a une épée qui suce le sang. On va peut-être trouver notre épée. De secours. Malédiction de tombeau, ouais, bof. Oh, très joli coffre. Ah, un peu plus bas, un peu plus haut. Bah voilà. Hein. Vêtements raffinés. Ça se vend ça. Commode. Bénédiction faible. Ouais, on s'en fout un peu. Va dormir une heure, comme ça on se régène. Et prenons le temps vite fait de regarder dans nos poches là, si on n'a pas chopé des trucs bien. Cure unique, masse de fer, hein. Absorbe 3 points de santé. C'est pas mal, mais ça fait que 9 de dégâts quoi. Sera toujours mieux que rien en attendant d'avoir mieux. Ok, ça c'est moins bien. Là, ça se régénère 4% plus rapidement. Il me semble que j'en ai déjà un. J'avais gardé dans un coin. Hop, non, ça c'est moins bien. Augmente la durée de la transformation des potions de sang lupin. On n'utilise pas le sang lupin. Ah, couronne d'argent de pierre de lune. Les sorts élémentalistes coûtent. Ah, mais là j'ai de l'armure. En vrai, les sorts élémentalistes, je les utilise pas quoi. Ah, quoique pierre de lune, il y a peut-être moyen de le faire fondre et. De récupérer la pierre de lune. Donc on va peut-être pas le mettre maintenant. Soyons intelligents. Putain, j'avais pas vu, ça va faire une heure d'épisode là. Bon, on finit ça et puis on passera à l'épisode suivant. Désolé YouTube. Hein. Je préfère vous proposer des épisodes un peu plus courts. Il l'a tué Francis là ? Or, il n'y a rien d'autre à récupérer. Alors, il n'y aurait pas un petit coffre sur un des bateaux là. Bon, c'est des pirates.
forcément des coffres sur leur bateau quand même. Ah. Ah, c'est pas ouf, hein. Ah, je transporte trop de choses. Ah, et bah, on va jeter une cuirasse. Non. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Remets-moi mon armure de gardien, s'il te plaît. Respecte-moi. Lâchez. Si j'en lâche une seule, c'est bon. Bon, bah, on est full. On est full, c'est déjà bien. Hop. Et ben voilà. Et bah sur ce, salut YouTube, hein. On va s'arrêter ici pour cet épisode. On aura fait le château, on aura fait cette quête là. On aura réussi à choper des bouquins pour l'artisanat, un petit peu en entropie. Donc ouais, je suis content, c'est une petite session, un premier épisode qui se présente pas mal. Du coup, comme d'habitude, hein, n'hésite pas à liker, partager, etc. à me suivre sur les réseaux sociaux au cas où. Et puis voilà, puis viens en live. Allez, salut !